tout le monde, c'est Mobio et aujourd'hui, on va reprendre un petit peu Fable. J'ai une petite coupure dans ma voix parce que j'ai lancé le chrono pour faire des parties à peu près de 20 minutes. Et ça fait un petit moment que j'ai plus joué à Fable. Et je me suis dit, c'est peut-être temps d'y remettre, alors on est parti. Ouais, j'avais pris ça. On va voir, voilà la quête. Petit point jaune qui clignote. Bon, je sais un petit peu ce qui va se passer. Ça va être une partie un petit peu embêtante dans ce Fable. Cette zone. Enfin, vous verrez bien. Cassez de putain! Tout cassé! Des morts vivants! Non, non. C'est ce foutu démon! Non, non, c'est pas des morts vivants. C'est un vivant. Qui va vous tuer? Ou du moins, qui essaie de vous tuer? Tu me laisses tranquille? S'il te plaît? Coffre! Alors, y'a quoi dans ces coffres? Ouais, le blason du cuir noir, ouais. C'est pour morfler après. Pas l'intérêt. Ok. Ça donne quoi ça? C'est de la bouffe, mais je sais pas trop ce que ça donne. Cassez des putains! Pognon. Ouais, j'aime bien le pognon. Hop, c'est parti. On continue. Chambre de torture. Qui est torturé? Je vous préviens, touchez-moi encore et je vous brise le cou. Mais je vous connais. Non, c'est un piège. Vous n'êtes pas mon fils. L'ordure se paie ma tête. Mais c'est toi. C'est vraiment toi, n'est-ce pas? Que pensais-tu faire en venant ici? Il va nous prendre tous les deux! Et qui? Peu importe. Nous devons sortir d'ici. Essaie d'ouvrir cette cage. D'accord. Je trouve ma mère là, ici, normal. Vas-y, je t'ouvre. Allez, on se tire, on se tire. Mais attrapez-le! Mais... Oh non, mon gars! Trop loin. Dépêchons-nous. Vous allez me faire arrêter. Je suis en train de sauver ma mère, tranquille. Tu sais, c'est les retrouvailles et tout. Pourquoi pas? Peut-être un petit peu seul. Par là-bas. Ce n'est plus très loin. Dépêchons-nous. Pas de problème. Je suis un PGM. Je suis un héros, bateux, non? Jack! Voyons. Ce n'est pas très poli de prendre congé sans saluer. Salaud! Ok. Ton enfant est un vrai héros, chère Scarlett. Savais-tu qu'il avait été sacré champion de l'arène? Tu aurais été si fier de lui. Ça doit être de famille. Comme de se retrouver enfermé dans l'une de mes cellules grand luxe. Ouais, quand je vais te péter la gueule, tu vas voir, elle va être sûre de moi. Laisse-le partir. Il ne sait rien. Oh, je crois qu'il en sait plus que tu ne crois. Le sceau de la reine que je lui ai donné m'a montré ses moindres mouvements. C'était très divertissant. Profaner des tombes, sauver de vieux imbéciles, rencontrer sa folle de sœur. Teresa. Oui, ta petite fille chérie est aussi en lui. Et elle lui a dit à propos de l'épée et de votre misérable lignée. Et maintenant, très cher,
Tu vas me dire où se trouve la clé. D'accord. Mettez-vous à l'aise. Nous reviendrons vous chercher, vous et l'autre vermine. Et nous nous amuserons un peu. Qu'en dites-vous? Il aimera ça, n'est-ce pas, Tips? J'ai morflé, en tout cas. Crève donc, gros porc. Du calme, Tips, du calme. Gardez cette énergie pour plus tard. Vous en aurez besoin. N'essayez pas la magie, elle ne marchera pas ici. Le chef a pris ses précautions. Ok. Salut. Psst, vous, dans la cellule d'à côté. Ouais. C'est vous qu'ils ont torturé au tisonnier si longtemps. J'entendais vos cris jusqu'ici. Mais pas de quoi avoir honte. Ces types s'y connaissent en tortures diverses. Attendez un peu, je vous connais. Vous êtes Sem la Mort, c'est ça? Ouais. Vous avez triomphé dans l'arène et réduit cette jolie Whisper en pâté pour Hobbs. Les ouais. gars comme vous sont rares ici. Vous avez fait quoi? Tuer un maire? Ou des gardes? Hein? Il paraît que ce salaud de directeur n'en revient pas de sa chance. C'est son anniversaire, là. Tous les ans, on nous sort de notre cellule pour nous mettre au soleil. Qu'on se rappelle comme c'est bon. Puis retour au cachot direct. Qu'est-ce Il que... le fait pas par bonté non plus. On doit courir dans la cour et eux, ils prennent des paris sur le gagnant. Mm-hmm. Le vainqueur gagne un séjour dans le bureau du directeur. Ouais. Ce qui s'y passe est horrible. Je peux pas en dire plus. Sérieux? Au moins, on peut observer son antre. Il n'y a plus que des meubles et des livres, je vous l'assure. Mm-hmm. D'accord. Ouais, je gagnerai la course, je suis curieux. Ça fait un bail que je suis là. Coucou. Il m'ouvre. Allez, sale chien, c'est l'heure de la course. Le et tu as intérêt à nous divertir. Certains c'est gardes ça. Ont misé gros sur vous. Vous avez intérêt à gagner. Et pour les perdants, une séance de torture. Génial! Ouais! Allez, criez-le! Génial! Ouais, petite tronche. Pas possible. Je vais sortir de là, je vais tous vous défoncer! Écoutez, bande de rats, je veux voir une belle sale course, avec des coups et de l'action, c'est compris? Mmh. Allez, tous en position! Ok. 3! 2, 1! Allez! Je vais pas encore perdre! Ok. Allez, on se bouge un peu! Pas de problème, je suis premier. Allez, allez, allez! Ça s'appelle courir, ça? Gonzesse! Je vais te tenir, moi, gonzesse, tu vas voir. Je vais te péter la tronche. Allez, on se bouge un peu! Ah ouais. Allez, oh, on se bouge un jolie. Peu! On se bouge un peu, sale terre de terre! On Il se bouge tenir. Un peu, sale terre de terre! Vous va répéter. Allez, on se bouge un peu! J'adore les clowns. Ça s'appelle courir, ça? Naruto! Bravo! Voici le vainqueur. Ouais. Garde! Facile. Emmenez-le dans mon bureau. Tu me fais peur, t'as l'air gay. Bienvenue dans mon humble bureau. Oui. Vous avez gagné une superbe récompense. L'une de mes célèbres lectures de poésie. T'es gay, quoi, ouais. C'est clair. Juste. Ces murs de pierre ne peuvent calmer le cœur brûlant d'un poète. Mm-hmm. Je ne veux pas entendre. Entendre un mot. Laisser son âme s'exprimer nécessite une concentration totale. C'est pire que la torture. Torturez-moi, s'il vous plaît, non. Le récital va commencer. Souvenez-vous, je demande le silence total. Mm-hmm. La triste complainte de l'oiseau en cage. Contemplez le vif, l'audacieux moineau.
lorsqu'il survole ce triste pénitencier. Rien ne peut l'atteindre, pas même un carreau. Essayez toujours, mais vous échouerez. De son bec nous parvient sa chanson, qui nous raconte qu'il fut mis dans une cage. Maintenant, c'est un nuage, et pour de bon, changé en vapeur par un vilain mage. Ô joli moineau, vif et élégant, tu aurais été encore en cage si tu avais écouté cet avertissement. Ainsi s'achève mon joli poème. J'ai déjà commencé une nouvelle ode. Vous l'entendrez peut-être l'année prochaine. Allez, hop, retour en cellule. D'accord. Super. Bienvenue dans votre chambre secondaire, la salle de torture. Encore? On va bien s'amuser ensemble. Ouais, on va bien s'amuser. Super. Les ténèbres de sa cellule consumaient la vie du héros. Et sapaient également sa raison. Une année de plus s'écoula dans cette prison. Une autre année de torture. Le sang noble et ancien qui coulait dans ses veines, le pouvoir de la guilde, tout cela n'avait aucun sens entre ses murs. Et pendant tout ce temps, Jack of Blades était libre en Albion. Le héros ne pouvait s'avouer vaincu, il se libérerait. Ouais, faut que je me libère. Je sais plus comment on fait, mais je me libérerai, y a pas de problème. Je vais me faire Jack of Blades. Vous allez voir. Aujourd'hui est un jour spécial ici. On a quelques frais en cellule avec les autres. Nous revoilà. Restez là, nous allons nous occuper de vous. Vous êtes un peu moins nombreux cette année. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ma blague. Peut-être qu'ils sont morts à cause de la torture, je sais pas. Vous êtes vivants. Une nouvelle année, une nouvelle course. Nous devons entrer dans le bureau du directeur, il nous faut cette clé. Je veux bien, mais comment t'as la code? J'ai vu qu'il va... Ça fait un bail que je suis là. Comment on fait pour avoir le code? Comment ça... Allez, sale chien, c'est l'heure de la course. Et tu as intérêt à nous divertir. Certains gardes ont misé gros sur vous. Vous avez intérêt à gagner. Et pour les perdants, une séance de torture. Pour les gagnants génial aussi. Ouais. Allez, criez-le. Génial. Ah, c'est ça. Je vais péter ta gueule. J'ai rien fait. C'est ça. On a jamais rien fait. Bon, moi non plus, j'ai rien fait. Juste tué 2-3 gardes. Vous connaissez la chanson. Allez, tous en position. Ouais, c'est cool. 3, 2, 1. Vitesse de pointe. Ça s'appelle courir, ça? Ah, ouais. On se bouge un peu, sale terre de terre. Je l'ai déjà fait, c'est bon. Par là, espèce de chien. Je connais par cœur le chemin, c'est bon. Au bout d'une fois... Allez, on se bouge un peu. Par là, je vais pas recommencer 50 fois, hein. J'ai pas intérêt, je vais perdre... Je perds 50 fois. Oui, c'est ça. Allez, perdre 50 ans là-dedans. On se bouge un peu, sale terre de terre. De toute façon, je vais tous vous buter. C'est pas compliqué. Rien à foutre, je vous pète votre gueule, tous. Coucou, c'est heureux, moi. Encore vous. Vous êtes vraiment un grand athlète, n'est-ce pas? J'attends avec hâte la rencontre de nos deux esprits dans mon bureau. Garde. Oui, tu vas voir. Le récital va commencer. Souvenez-vous, je demande le silence total. Ouais. Gris est la couleur la plus jolie.
Gris est la couleur la plus jolie. Car elle est dans son nom, ses yeux, son âme. À côté d'elle, je suis tout petit. Quand je la vois, mon cœur fait j'bam. Elle vit vers le nord, entourée d'arc-en-ciel. Je la regarde depuis les bas quartiers. C'est soupirant, toujours derrière elle. C'est bon, je code. À sa simple vue, ont les boyaux noués. C'est la mairesse de mon pays. Je la vénère car elle me plaît. Je souffre d'amour et je languis. Est-ce que je l'ai? J'ai la clé, ouais, du premier coup, GG. Il est évident que l'art ne vous intéresse pas. Mon opus lyrique est gâché par vos oreilles de philistin. Ouais, c'est allez, ça. Allez, retour en cellule. Y'a pas de problème, j'ai ce que je voulais. Le directeur a perdu sa clé. Vous restez donc en cellule le temps qu'on la retrouve. La torture est repoussée. Y'a pas de problème. C'est moi qui vais te torturer dans 2 secondes. Un bâton! Un bâton! Vous pétez la gueule, le bâton! Je suis libre! C'est quand vous voulez. Peut-être vérifier des trucs. Quoi? De la bouffe, parfait. Lève-toi. C'est quand vous voulez. Lève-toi. Ouvrez, on peut vous aider. Pas de problème. Libérez-moi. Ça vient, je cherche des trucs. Je suis libre. Oui. Vous êtes prêts? Je me tire. Je peux pas y croire. Hop, on se tire. Emmett! Personne? On va distraire les gardes pour s'échapper. Emmett! Je tiens ma vengeance. Là-bas! Il faut payer. Je t'ai fauché! Ces gardes. Vous défasse! Pétez ta tronche! Bon, faut des coups pour crever! On va distraire les gardes pour s'échapper. Je tiens ma vengeance. On va distraire les gardes pour s'échapper. Je tiens ma vengeance. À la faute, le suivant. Là-bas, c'est ce que... Je te défonce. Je vais me faire ces gardes. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Je te défonce. Oh. C'est l'heure de... On va distraire les gardes pour s'échapper. Ah, je mange un petit coup parce que bon... Il faut payer. Ils vont payer, oui. C'est l'heure de payer. Là-bas, c'est cette crapule. C'est cette crapule. On va distraire les gardes. Moi, je vais te montrer. Moi, je te torture, moi. Pardon. Tu me tapes. Moi, je te défonce. Allez, vas-y, relève-toi de ta tête. Je tiens ma T'as une épée, j'ai un bout de bois. On va distraire les gardes pour s'échapper. Là. Oh, tu fais mal. T'es mort. Là, c'est lui. Ouais, bon. Ça commence à devenir chaud. Je vais me tirer peut-être. Tu es deux, c'est déjà bien. Ciao. Je dois faire quoi ici, moi? Récupère tout ton équipement, ou nous n'aurons aucune chance. Il doit être dans la caserne. C'est là qu'il garde tout. D'accord. Alors,
C'est l'heure de payer. Récupère tout ton équipe. Il doit être dans la caserne. Ok, mais... Mais ouais. Alors, on est venu sauver sa vieille mère, hein? Bah oui, on peut courir, là. Là-bas, c'est cette crapule. Mais bon. Oulet. Ouh, X, la bouffe. Parce que là, ça devient chaud. Elle est où, la caserne? Elle est là-haut. Mais oui. Je fais le tour, je cours. J'ai déjà fait le parcours une première fois, je le fais une deuxième fois. Ça a cassé ça? Oui, je suis sûr que t'as de la bouffe. Voilà, oh, et de la vie. Oh, il y a un garde qui me colle aux fesses. Voilà, c'est un peu plus de vie, oui, oui, oui. Non? Non mais oh oh, comme tout. Voilà. Non, ne me dis pas que c'était en bas. Ou par là? Ah voilà. Et quoi là-dedans? C'est la caserne? Bureau du directeur. Bon. On se fout du bureau du directeur. Mais non, mais je m'en fous du bureau. Bon. Et ouais, et à part ça. La caserne. Où est la caserne? Je suis un peu perdu, hein. Faut le dire. Je tourne en rond, carré, en triangle. Là, c'est le bureau du directeur. Bon, ben. Là-bas, il y a un garde. On descend par là, on verra bien. Ça ne change rien. Si, ça change que je me dirige vers le garde, là. Voilà, bon ben... salut le garde. C'est lui qu'on cherche. Pas de problème. Bon, je descends par là. Et par ici. Et... c'est là. Qu'est-ce que c'est par là? Caserne de prisonniers. Mon matos! Ouais! Retour en cellule. C'est lui qu'on cherche. Alors, inventaire. Je vais te donner, moi, retour en cellule. Alors, arme. Arme de mêlée. Alors, utiliser. Voiture, attends. Mon 30. Mon 45. Mon 80. Mon 145. Voilà. Donc c'est ça. C'est utilisé. Ensuite, arme de lance. D'arc. Utilisé. Ensuite. Inventaire vêtements. Alors, tête. 45 portée main. Alors, 12 28 60. Ouais, à mon avis c'est 60, hein. Ça me paraît clair. Oui, camp de plate, c'est la portée torse. Plate. La traduise, voilà, pouf, portée, en fait je vais dans tenue, je suis bête,
casse pas la tête. Tenue de plate radieuse. Ah mais c'est tout ce que j'ai. Portée. Oh merde, j'ai les jambes de plate. Jambes de plate. Hein. Il n'y a pas un truc de plate entièrement en fait. Armure de plate. Ah bah oui, mais en fait, d'accord, je porte pas tout. Ah, je vais y arriver. Voilà, on porte tout, on porte tout. Voilà. Ouais, bah, les plates quoi. Voilà. Carte. Ouais, bon, ça fout. Hop. Voilà. Alors. Ok. C'est fini la rigolade, mon gars. Je suis plus une tapette maintenant. Voilà. Donc. Il y a plein de coffres. Je vais me servir. Hein. Chemise de garde. Pantalon de garde. Ah, c'est pour sortir incognito. Mais vous rigolez ou quoi? Je te sors péter leur gueule, moi. Chapeau de garde. Gants de garde. Enfin, je ressemble à un garde, quoi. C'est clair. Et bottes de garde. Voilà. Inventaire. Objet. Potion. Je sais pas. Potion de force. Utiliser. J'ai plus de force. Hop. Inventaire. J'ai potion utilisée. Voilà. Donc, c'était Mobius 68. Et c'était sur Fable. Hein, donc, je vous dis, si vous voulez savoir la suite, regardez le prochain épisode. Si l'épisode vous a plu, vous mettez un pouce vert. Si vous a pas plu, vous mettez un pouce rouge. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.